Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'histoire et au patrimoine. À chaque vidéo, je vous invite à découvrir, à analyser, mais aussi à tenter de résoudre les grandes questions de notre histoire. Afin de m'aider à développer la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ainsi qu'à écrire en commentaire vos questions. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien est en description. Le 26 octobre, nous célébrons la naissance de l'un des plus grands acteurs de la Révolution française, Georges Danton. Initiateur de grandes actions en faveur de la liberté, il galvanisera les troupes de la nation, mais sera aussi l'investigateur d'épisodes tragiques de la Révolution française. Mais qui est véritablement Georges Danton ? Loin de l'image idéalisée des révolutionnaires, l'un des futurs piliers de la Révolution française, Georges Danton voit le jour en 1759 dans une famille bourgeoise originaire de Champagne. Sa mère, n'ayant pas assez de lait pour le nourrir, l'aurait placé sous le pis d'une vache. Un taureau jaloux l'aurait alors blessé d'un coup de corne, marquant l'enfant à vie par une cicatrice à la lèvre. Scolarisé à Troyes puis à Reims, il partira pour Paris en 1784 comme avocat. C'est en fréquentant le café du Parnasse qu'il fait la rencontre de sa future épouse, Antoinette Gabrielle Charpentier, avec laquelle il se marie en 1787, dans l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Tout semble alors prédestiner Georges Danton à une vie simple de petit bourgeois à Paris. Mais la révolte gronde en France. La révolution arrive. Élu représentant du tiers-état, il participe aux états généraux de 1789. Puis se fait remarquer par son talent d'orateur au sein de son district des Cordeliers. Car oui, Danton, c'est une gueule, un physique imposant qui improvise ses discours et qui enflamme les âmes de ceux qui l'écoutent. Sa popularité grandissante le fait côtoyer quelques grands noms de la Révolution comme le terrible Jean-Paul Marat ou encore Camille Desmoulins, l'homme du 14 juillet. Mais l'envie d'offrir la liberté au peuple n'empêche pas Danton de se voir offrir des pots de vin, afin de donner des conseils à la cour, voire même, dit-on, au roi. Ses actions entacheront sa réputation des termes de corrompu et de profiteur. S'attirant les foudres des révolutionnaires modérés par son implication dans divers mouvements de foule visant à renverser les assemblées élues par des organismes plus extrêmes, Danton fuit la France en 1791 pour l'Angleterre, avant de revenir 2 mois plus tard à Paris, où il continue ses actions politiques en gravissant les échelons des organismes révolutionnaires. Avec l'abolition de la monarchie en France, Danton est choisi comme ministre de la Justice par l'Assemblée législative et s'installe place Vendôme. Il s'entoure alors d'amis de confiance comme Camille Desmoulins ou encore Fabre d'Églantine. Pendant ce temps, les armées des monarchies européennes se sont rassemblées afin de mettre fin à la Révolution et rétablir la monarchie. Face aux défaites des armées révolutionnaires, la peur s'empare de l'Assemblée législative, qui désire fuir Paris. Danton monte alors à la tribune et proclame « Pour les vaincre, il nous faut de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace, et la France sera sauvée !» Mais pour Danton, vaincre les ennemis de la France signifie aussi bien les combattre à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ainsi, sans que le ministre de la Justice ne fasse quoi que ce soit pour l'empêcher, du 2 au 6 septembre 1792, les prisons sont vidées par les révolutionnaires et plus de 1400 détenus sont horriblement assassinés sans jugement par les sans-culottes enragés par les appels au meurtre de Marat. Ces victimes sont exécutées en raison de leur appartenance à l'aristocratie, au clergé ou tout simplement leur sympathie envers le roi. Ces tristes événements prendront le nom de massacre de septembre. Le 20 septembre, la victoire de Valmy fait de Danton l'homme providentiel, l'homme de la victoire. Il décide alors de quitter son poste de ministre afin de se faire élire député de la Convention nationale dans le camp des Montagnards, c'est-à-dire ceux qui veulent continuer la Révolution et qui s'opposent aux Girondins qui souhaitent la stopper. Néanmoins, Danton est conscient des risques des confrontations, voire même de l'autodestruction des révolutionnaires entre eux. Il devient alors partisan de la conciliation.
Lors du procès de Louis XVI, il va même tenter de sauver la tête du souverain en demandant son bannissement. Mais soucieux de son image et de peur d'être pris pour un modéré, il va voter la mort du roi. Au cours de l'un de ses nombreux voyages en France, sa femme, Gabrielle, décède le 10 février 1793. Danton, inconsolable, fait déterrer le corps de son épouse, l'embrasse une dernière fois et demande qu'un buste à son image soit réalisé. Homme de passion et de cœur, Danton se remariera quelques mois plus tard avec la jeune Louise Gilly, âgée de 17 ans. Aussi homme de loi, Danton propose la création d'un tribunal révolutionnaire qui deviendra une arme pour les partisans de la liberté contre ceux qui conspirent contre la révolution. Cette instance, à la justice expéditive, rejette les appels et fait appliquer les sentences en moins de 24 heures. Pour justifier sa décision, il proclame à l'Assemblée « Le salut du peuple exige de grands moyens et des mesures terribles. Soyons terribles pour éviter au peuple de l'être. » Il l'ignore, mais cette arme finira par se retourner contre lui dans moins d'un an. Jugé de plus en plus modéré, Danton s'oppose à Robespierre, à sa terreur qui s'installe depuis 1793, ainsi qu'au Comité de salut public, l'organisme exécutif de la Convention. Ce dernier finit, en mars 1794, suite à une longue bataille politique, à prononcer l'arrestation de Georges Danton, afin de le traîner devant le tribunal révolutionnaire, dans l'objectif de le condamner à mort et au silence. Car selon ses membres, « si nous ne le faisons pas guillotiner, nous le serons ». Pour Danton, l'affaire peut être renversée contre ses adversaires. Talentueux orateur, il compte bien utiliser ses dons pendant le procès, afin de se défendre notamment lors des accusations de corruption. Je n'ai jamais été acheté. Je n'ai pas de prix. Personne ne peut se payer Danton. Mais rien n'y fait. La sentence de mort est prononcée pour Georges Danton. Il est emmené en charrette, avec ses compères Camille Desmoulins et Fabre d'Églantine, vers la place de la Révolution, afin d'y être guillotiné. Sur le chemin, il passe devant la maison de son adversaire Robespierre, à qui il crie « Robespierre, tu me suis !» Une prédiction qui aura lieu avec son exécution quelques mois plus tard, le 28 juillet 1794. Arrivant devant l'échafaud, Danton dit au bourreau Samson. Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. Ainsi disparut Georges Danton, véritable acteur de la Révolution française qui aura été emporté par ses excès, comme de nombreux autres révolutionnaires. Il aura marqué son époque par sa voix, par sa volonté de vouloir offrir la liberté au peuple, et cela à n'importe quel prix, même celui du sang. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt.